Un paresseux. Un loup. Oh. Un marmoton. Je pense que ça dort encore plus qu'une marmotte. Un joli petit singe à Ouistiti parce qu'il fait toujours rire tout le monde. Un phoque à Newquay en référence à tes performances de body surfer il y a quelques années. C'est quoi ton prénom déjà? Mélodie Nelson. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va. La chatte est mi-cantale. Irritable et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Alors, si Lolo était un lieu, bah, évidemment, il serait à l'image de l'Assemblée nationale magistrale. Je dirais un endroit où il y a beaucoup de palmiers. Ouais, beaucoup de palmiers. La mer aussi, non? Ouais, la mer. Soleil. Des restos au bord de la mer. Tout serait sympa. Hier, en fait. Ouais, hein. C'est ça, un peu hier. Un peu hier. Une cuisine. La doudouche. Le Condal, où on a passé plusieurs étés en vacances, à jouer aux cow-boys et aux indiens face à la maison, ou aller chercher le lait chez les bébés. C'est la pizza avec les pommes de terre, qu'on appelle tout naturellement la pizza pommes de terre. Facile. La crique ou la râpée de la mamie le mercredi quand on était tout gamin et qu'on passait des jours chez elle. Une côte de bœuf frite. La pizza pepperoni du chef. Des pâtes, bien sûr. Et puis en plus, il les fait très bien. Des pâtes. Pour la famille. Des frites. En fait, tout ce qui se mange. Ouais. Et si possible, avec pas mal de sauce. Ouais. De quoi te faire des mouillettes. Pasta. Non, mais c'est chocolat, non. Non, des aubergines à la pizza, la pizza. Ah, gros hamburger. Ah, les pasta. La pasta, le prosciutto. Bacalao. 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 Oh, femme de pute, mon Lolo, qu'est-ce qu'elle est péta? Le roi et la reine vont prendre. Fatigué, qu'est-ce qu'il est gonflé aujourd'hui? Quand est-ce qu'on mange? J'ai besoin d'un petit gigot. Ils vont tous bien se faire. Uff. Lolo.
Lolo était un personnage. Évidemment, il ferait partie des personnes les plus illustres, hein, à l'image d'Emmanuel Macron. Sinon, je le verrais bien entraîneur. Entraîneur pour les enfants, de saut en hauteur ou saut en longueur, je sais pas. De préférence proche d'un lit, avec les semis, vous imaginez bien les semis en fer de la mamine, pour que les gamins, je sais pas, ils chutent et pam ! Oh, ils ont le crâne ouvert en deux. Darry Cole. Vito Don Corleone, le parrain. Un personnage, en fait, plutôt un acteur, Aldo Machen, que Laurent s'amusait à imiter et qui nous amusait énormément, notamment lors d'un voyage en Israël. Regarde ce que j'ai retrouvé. Ça te parle ? À l'aise, non ? Pierre Palmade. Et moi, je dirais, dans Laurel et Hardy, Lolo, c'est Laurel. C'est Laurel, voilà. Il me fait beaucoup rire et il a cet humour-là. Papa, défaut. Je pense que s'il en a, bah, il va les oublier. C'est ça le problème. Chante comme une casserole. Putain, un peu trop ambitieux côté béton. Bienveillant, drôle et gentil. Qualité de cœur, soutien, humour et rire, et stabilité, je dirais stabilité. Généreux, convivial, joyeux Luron. Tolérant, toujours là pour ceux qu'il aime. Évidemment drôle et une forte capacité à rendre toute situation plus légère et facile à traverser. Le d'être papa, c'est quand même un bon papa poule. Ouais, c'est un vrai papa poule et il est très patient avec Mélodie, avec moi et je pense aussi avec toi. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Il y a le sens de la famille, et c'est top. Allez Lolo, quoi. Ouais, allez Lolo. On va prendre champagne. Allez, de toute façon, Lolo. On va faire péter le bouchon. Allez Lolo, fais un effort, quoi. Souffle tes bougies. Allez, on a envie de boire un coup, non? Bon, tu les souffles tes bougies ou quoi? Joyeux anniversaire. Allez, ouais. Et pour Lolo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lolo. Bonjour mon Lolo, j'espère que tu vas bien. Eh ben, je voulais te souhaiter un très très heureux anniversaire. Nous sommes le 15 avril et tu es né un lundi de Pâques, figure-toi. Ça a beaucoup de sens, je te souhaite une longue vie pour toi. Beaucoup de bonheur et beaucoup de plein de choses. Je t'embrasse. À bientôt. Salut mon Lolo. Et oui, c'est du pied du Mont Ventoux que je viens vers toi en ce 15 avril. Alors on n'entend pas encore le chant des cigales, par contre on entend bien le mistral. Et puis comme tu le vois, bien, les cerisiers sont en fleurs. Alors en ce 15 avril, eh bien que faire ? Eh bien, je vais essayer de rassembler toute ma force
le peu de sagesse qui me reste et toute cette beauté provençale pour te souhaiter un très 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 joyeux anniversaire. Alors, il est usage à ces circonstances de venir vers toi avec un présent, mais comme tu le sais, je suis confiné. Alors ce que je te propose, eh bien, lorsqu'on sera sorti de cette période quelque peu difficile et contraignante, eh bien, de venir me rendre visite en Provence, où on pourra profiter de ce fameux jeu de boules que j'ai constitué grâce au confinement. Bien, tu peux venir bien évidemment avec qui tu le souhaites, et puis notre ami Marc, on pourra partager quelques parties de pétanque, et puis l'heure de l'apéritif venue, bien partager un bon pastaga avec l'eau fraîche du puits. Alors mon cher Lolo, bien encore une fois, je te souhaite un très 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 joyeux anniversaire, et puis j'espère surtout qu'on pourra se voir très 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 bientôt. Je t'embrasse. Dans ce lieu symbolique, au plateau de la République française, que je tiens à te souhaiter, mon cher cousin, un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Lolo! Pour ta bonne humeur, pour ta joie de vivre et pour m'avoir beaucoup, beaucoup amusé et cadeau, il y a vraiment du soleil dans pas mal de journées. Je te souhaite un très très bon anniversaire. Je pense très très fort à toi. Plein de bisous. À bientôt. Mon Lolo, eh bien écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire. 53 ans, nom de Dieu. On est encore tout jeune. Allez, y va. On commence. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Mon cher Lolo, je viens te souhaiter un merveilleux anniversaire. 53 ans, j'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai l'impression que je t'ai vu nourrisson d'une journée à l'Hôtel Dieu, où j'étais venue avec papa pour te voir. Et j'ai l'impression que ça fait certainement pas 53 ans. Voilà. Donc je te fais plein de bisous et puis je t'embrasse très très fort. Bon anniversaire papou, t'aimes fort.